Et on repart tout de suite avec le second groupe de la soirée. Il s'agit du groupe numéro 38 du CCI Film Saint-Lô, avec Canel, Marville, Samuel, Camille, Timéo et Charlie. Ils préparent un bac pro métier du commerce et de la vente. Ils sont accompagnés par Stéphanie Dartenay et mis en scène par Fabrice Hervé. Le titre de leur scénette, Dans les règles de l'art. Et on peut les encourager bien fort, s'il vous plaît. Salut, moi c'est Charlie. C'est ta première vente? Ouais. L'équipe a l'air sympa. Ouais. Non? Si, si, il y en a toujours certains qui sont pas faciles à gérer. Oh ta gueule. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. C'est cool. Tu connais le patron? Ouais, je l'ai déjà rencontré. Il est gentil, hein. Ah ouais? Je sais pas si c'est le mot. De quoi? Gentil. En même temps, on n'est pas là pour se faire des amis. Hein. Ah bon? Bah c'est un magasin. Faut taper dans la butte. La pute ? Il nous manque toujours plus de travail, plus d'engagement, plus de pugnacité aussi. Ah. Plus exigeant, quoi. Bon vouloir. Ah bon ? Tu vois, lui, par exemple, il est un gaillard. Salut, Jean-Jacques. Salut. Et puis d'un coup, l'année dernière, c'est tombé. Ah oui, quand même. Le roi Jacouille en école. Le pauvre. Bah, mais bon, pour vendre, faut pas être un petit bourgeois, hein. Faut trouver sa fêlure. Sa fêlure ? Bah, les douleurs de la vie, quoi. Faut s'en souvenir quand tu bosses. Le boss vit toujours. Si vous avez pas assez souffert, si vous avez pas un tant soit peu touché le fond, c'est que vous avez rien à foutre dans un magasin. Ah oui. Mais moi, je vais bien, je travaille pour trouver un sens, pour rencontrer des gens, pour créer du lien. Oula ! Ça va pas être facile alors. Comment ça ? Attends, nous on dit ça, ça se trouve, tu vas y arriver, hein. Tu viens d'où ? Saint-Lô ? Oula ! C'est loin ça ! En Provence, en Provence, ville, en plus, c'est pas tout à fait le même job. Comment ça, pas le même job ? Bah ici, on force un peu plus, sur l'alcool. Je comprends pourquoi le patron il t'a fait venir. Non, on voulait dire à la vente, il y a de la concurrence. Faut faire vite, tu comprends ? Ah oui. Oui, je comprends. Et toi, tu faisais quoi avant ? Ben, je faisais du théâtre. Quoi ? Du théâtre ? Ah ouais, t'es acteur, comme nous en fait. Comment ça ? Bah, tu baratines. Tu fais ton show. Tu joues un rôle. Ben non, pas vraiment. Tu sais, quand je jouais, je m'intéressais au personnage et puis je me mettais à sa place. À sa place ? Bah, un peu de lui, un peu de moi, sincère quoi, vrai. Vrai ? Bah, si t'es pas vrai, c'est que tu joues faux. Pas c'est comme si tu nous jouais avec tes clients. Tranquille, tu vois, c'est partout pareil. Quand t'es faux, ça se voit, non ? C'est vrai. Je vais pas changer maintenant, vous savez. Artiste, artisan, commerçant, on met son art au service des autres, non ? Et puis, il faut s'intéresser aux clients. Ils mettent sa passion, de l'émotion, du plaisir. Dans les règles de l'art. Vendre, ce n'est pas qu'un service, c'est aussi un art. J'aurais